Hey les j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue, la 24e journée. C'est une journée donc, de championnat en pleine semaine. Il y a 9 matchs à analyser qui sont les suivants Newcastle contre Everton, West Ham contre Watford, Burnley contre Manchester United, Norwich Crystal Palace, Manchester City Brentford, Tottenham contre Southampton, Aston Villa contre Leeds. Wolverhampton contre Arsenal et enfin Liverpool contre Leicester. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et des codes sécurisés ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de Paris Sportif qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes Safe et également les codes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de Betwinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement premier Manchester City avec 57 points, avec un match en avance sur Liverpool qui est second, qui a 48 points. Troisième Chelsea avec 47, mais avec le nombre de matchs normal, c'est-à-dire 24. Quatrième Manchester United, 38, mais deux matchs en moins. Cinquième West Ham, 37, avec un match en moins. Sixième Arsenal, 36, avec trois matchs en moins par rapport à Chelsea. 7e Tottenham, 36 points avec 4 matchs en retard. Et 8e Wolverhampton, 34 points avec 3 matchs en retard sur Chelsea. En fin de classement, 16e Everton, 19 points mais 4 matchs en retard. 17e Norwich, 16 points, 2 matchs en retard. 18e Watford, 15 points avec 3 matchs en retard. 19e Newcastle, 15 points et 3 matchs en retard également. Et dernier, 20e Burnley, 13 points avec 5 matchs en retard. On précisera que Chelsea ne jouera pas donc cette 24e journée car ils l'ont déjà faite. Ils sont au mondial des clubs le week-end prochain. La première rencontre est Newcastle 18e contre Everton 16e. Newcastle a effectué un recrutement où ils ont entre autres récupéré trippier et Guimaraes. On va dire que c'est les plus connus. Ils ont été éliminés par contre en Cup. Ce qui leur permet de ne penser qu'au championnat. Ils sont actuellement sur trois matchs sans défaite. C'est la première fois de la saison qu'ils ont une série aussi positive. C'est un match qui va peut-être tout déclencher car ils ont engagé une course contre la montre. On prendra leur bilan à domicile qui est assez lamentable. Malheureusement, voilà, comme ils sont 18e, c'est un peu logique. Une victoire et seulement six matchs nuls. Ils jouent contre Everton qui est 16e, qui est totalement en chute libre. Ils n'ont gagné qu'une seule fois en déplacement, c'était à Brighton lors de la troisième journée. Ils sont actuellement sur quatre défaites et un match nul. Leur dernière victoire et une victoire en Cup, c'est la seule chose qui leur permet de se raccrocher aux branches. Également, un petit point positif, c'est leur match nul obtenu contre Chelsea. Mais sur ce match-là, je les vois accrocher le match nul à Newcastle, un but partout, et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,77. Passons au match suivant, West Ham 5 ème qui reçoit Watford 19e. Les Hammers se sont beaucoup moins bien en ce moment, ils ont de plus en plus de trous d'air comme actuellement deux défaites consécutives contre West Ham et contre Leeds. Ils sont tout de même encore très bien classés 5e, ils ont toujours réussi cette saison à se remobiliser comme ils l'ont fait contre Liverpool et Chelsea, de victoires très importantes à domicile, mais on notera qu'ils ont tout de même perdu déjà à quatre reprises à la maison. Ils vont recevoir Watford qui de leur côté vient de faire 0-0 à Burnley. Il va falloir qu'ils s'accrochent au moindre point positif. Ils ont également eu un changement d'entraîneur. Ray Hodgson est arrivé à leur chevet. On notera qu'ils sont sur deux matchs nuls consécutifs car ils avaient réussi à accrocher également Newcastle un peu plus en avant. Mais leur bilan est tout de même inquiétant depuis leur 4 buts à 1 mis à Manchester United qui avait été quand même une grosse surprise. Ils sont sur 7 défaites et donc 2 matchs nuls. Et mon pronostic sera un 3 buts à 1 pour West Ham avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,61. On continue avec Burnley 20e qui reçoit Manchester United 4e. Burnley vient lors de son premier match en retard de faire 0-0 et c'était contre Watford. Je pense que c'est tout de même une contre-performance. Ça pouvait leur permettre de se rapprocher de la sortie de zone rouge. C'est tout de même leur deuxième 0-0 consécutif car ils avaient réussi à accrocher également Arsenal sur le même score. Ils n'ont plus gagné depuis le 30 octobre, c'était contre Brentford lors de la dixième journée. Ils n'ont gagné qu'une seule victoire en tout dans le championnat. C'est vraiment inquiétant tout de même, même s'ils ont toujours de l'espoir s'ils arrivent à remporter un voire deux matchs en retard. Ils rencontrent Manchester United qui s'est fait éliminer par Middlesbrough en milieu de semaine au pénalty. Ça s'est joué à rien. Ils menaient un zéro. Ronaldo a loupé un penalty. Ils auraient pu mener donc par deux buts d'écart, mais malheureusement, ils se sont fait rattraper et ont donc perdu. Ils sont tout de même sur une bonne série de trois victoires et de un match nul, car on peut considérer que c'est un match nul et pas une défaite. On notera que sur leurs 14 derniers matchs depuis le changement d'entraîneur, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à domicile contre Wolverhampton, un but à zéro. Et également, on notera qu'ils ont gagné beaucoup de matchs par un but d'écart, un but à zéro en particulier. Donc sur cette rencontre, je les vois également s'imposer un but à zéro. Je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,84. On continue avec Norwich 17ème qui reçoit Crystal Palace 17e. Norwich a eu une grosse bouffée d'oxygène avec cette qualification en cup à Wolverhampton, qui était en plus l'équipe en forme. Il reste même sur trois victoires consécutives avec cette victoire en Cup. Ça commence à devenir très intéressant. Une victoire 2 buts à 1 contre Everton et surtout 3 buts à 0 contre Watford. Ce match qui se présente est idéal pour continuer la série et une quatrième victoire leur permettrait de peut-être sortir de la zone rouge définitivement. Du côté de leur adversaire Crystal Palace, ils viennent d'enchaîner deux défaites consécutives à domicile. C'est assez rageant, car chez eux, ils avaient tendance à être assez solides. Mais sur les cinq derniers matchs, actuellement, toute compétition confondue, c'est une victoire nul et trois défaites. On peut considérer ça comme une perte de vitesse. C'est dommage, car c'est une équipe qui est capable de faire de belles performances, comme le 2 à 0 enregistré à Manchester City, qui est d'ailleurs la seule équipe à s'être imposée chez les Citizens. Mais sur cette rencontre, je vois un 2-1 pour Norwich qui est sur une superbe dynamique avec une double chance 1-N, une cote à 1,74. On enchaîne avec le leader Manchester City qui reçoit Brentford, 14e. Les Citizens vont récupérer tous leurs joueurs, peut-être pour le match de milieu de semaine ou celui du week-end, car la canne vient de finir ils sont quand même moins dominateurs au moins dans les scores car ils gagnent avec beaucoup moins d'écart ils sont sur 3 victoires et un match nul le match nul ayant été obtenu à Southampton mais quand on regarde depuis la défaite contre Crystal Palace comme je vous l'ai dit un peu plus tôt ils sont sur 12 victoires et un match nul donc c'est encore l'équipe qui écrase tout sur son passage ils reçoivent Brentford qui après 70 ans d'absence avait fait un début de championnat sans complexe mais actuellement c'est plus tout compliqué 9 défaites sur les 10 derniers matchs une seule victoire et c'était à l'extérieur à West Ham lors de la 7 journée donc Brentford va avoir un mal énormissime à Manchester City et je les vois s'incliner 4 buts à 0 et je vois le plus de 2,5 buts pour les Citizens une cote à 1,59. On enchaîne avec Tottenham 7e Contre Southampton, 12ème. Et Hotspurs, depuis l'arrivée de Conte, n'ont perdu que contre une seule équipe, c'est Chelsea. Mais par contre, c'est à trois reprises. Deux fois à domicile et une fois à l'extérieur. Mais tout de même, Conte a fait du bien. L'équipe est quand même plus solide, surtout quand elle joue à domicile. Ils viennent par exemple de battre Bradford, 4 buts à 1, en quatrième tour de cup. Il jouent contre Southampton, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les sept derniers matchs. Ils restent sur un 1 but partout contre Manchester City. À l'aller, ils avaient même réussi à accrocher les Citizens 0 à 0. Ils étaient devenus la seule équipe à ne pas prendre une valise. Leur seule défaite était donc chez Wolverhampton. Et on notera qu'ils ont réussi à s'imposer 3 buts à 2 à West Ham et ont fait match nul contre Tottenham. Mais sur cette rencontre. Je les vois s'incliner chez les Hotspurs 2 buts à 1 et je vois le plus de 0,5 buts par contre pour Southampton pour le fait qu'ils ne soient pas si mauvais que ça en ce moment avec une cote à 1,48. La rencontre suivante est Aston Villa 11e contre Leeds 15e. Les Villains peuvent s'enorgueillir d'avoir Coutinho dans leur rang. Il fait même sorte de porte-bonheur car. Depuis son entrée sur le terrain contre Manchester United, ils étaient menés 2-0. Il a réussi à renverser la situation, égalisant même à deux buts partout. Ils ont réussi également à s'imposer un but à zéro à Everton. D'ailleurs, c'était une rencontre qui tenait à cœur à Gerrard, l'enfant de Liverpool, qui en sortant du terrain a fait un petit tirage de langue pour se moquer d'eux. On notera que son bilan est assez moyen depuis qu'il est arrivé sur 11 matchs et 5 victoires, 1 nul et 5 défaites. Ça avait plutôt bien commencé, mais... Tous les matchs contre les gros ont été perdus. Leur adversaire du soir est Leeds, qui a eu une fin d'année 2021 très compliquée, avec 3 matchs, 3 défaites, 14 buts encaissés contre Arsenal, City et Chelsea. Ça a l'air d'aller un peu mieux en 2022. Deux victoires en championnat et une défaite contre Newcastle par contre, je pense que ça a été sans doute une déception pour les hommes de Bielsa sur ce match-là, je les vois s'incliner 2 buts à 1 et je vois les deux équipes marquer, une cote à 1.68. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Wolverhampton 8e qui reçoit Arsenal 6e. Ils viennent de perdre en coupe contre Norwich, je pense que pour eux c'est une grosse déception car ils restaient avant ça sur 5 matchs sans défaite avec en point d'orgue une victoire, un but à zéro à Manchester United également un peu plus tôt un 0 à 0 contre Chelsea, c'est une équipe qui est très solide, qui peut être déplée par son jeu. Avec le nouvel entraîneur Lage qui a remplacé Espirito Nuno Santo, qui a plus tendance à se focaliser sur le résultat, ils reçoivent Arsenal qui est sur 4 matchs d'affilée sans marquer. Ce n'est plus du tout la même sauce par rapport à la fin d'année 2021, où ils avaient réussi à marquer 19 buts sur les 5 derniers matchs, 5 victoires consécutives en plus. Le changement est donc radical avec cette nouvelle année. Mais je les vois tout de même accrocher un 0 à 0 à Wolverhampton, je ne les vois pas perdre, avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. Et on finit avec Liverpool second qui reçoit Leicester dixième. Liverpool va bientôt récupérer ses deux attaquants vedettes, mané et Salah, qui en ont fini avec la canne avec le sacre du Sénégalais contre son pote égyptien. Les deux compères étaient partis après un 2-2 à Chelsea. On pensait qu'ils allaient peut-être avoir des mauvais résultats mais ce n'a pas été le cas. 4 victoires et un match nul toutes compétitions confondues, une qualification pour la finale de la League Cup et deux victoires en championnat à Crystal Palace et contre Brentford. Mais attention car ils reçoivent Leicester chez qui ils avaient perdu un but à 0 à la 20e journée et contre qui ils s'étaient battus pour se qualifier lors d'un tour de League Cup où ils avaient fait 3 buts partout. De son côté, Leicester vient de perdre 4 buts à 1 contre Nottingham Forest en Cup. Mais peut-être que les Foxes sont en train de manquer de rythme. Ils n'ont joué que 3 matchs depuis le début de l'année 2022. Ils ont eu énormément de matchs reportés. Et il reste donc sur 3 matchs sans victoire après la défaite à Tottenham, le match 1 contre Brighton, et donc la défaite contre Nottingham Forest. Et pour ajouter le bilan en déplacement, c'est 13 buts encaissés sur les 4 derniers matchs avec 3 défaites et 1 match nul. Donc sur cette rencontre, je les vois perdre 3 buts à 1 à Liverpool et je vois le moins de 3,5 buts pour Liverpool sur la rencontre avec une cote à 1,35. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la première ligue. N'hésitez pas à aller en description. Vous avez le lien Telegram, le lien de BetWinner le Paris sportif et surtout le lien de Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Abonnez-vous, tchô les bambing